Nîmes barragiste accueille Nice 12e. Si les crocos sont en danger pour le maintien, surtout au vu de leur série d'une victoire et 7 défaites sur les 8 derniers matchs, les Aiglons sont également en panne de résultats et traversent une période de doute. Patrick Vieira a remercié récemment. Adrian Urcea n'a pas encore redressé la barre avec un nul à Reims et un revers face à Rennes à l'Alliance Riviera le week-end dernier. Le technicien roumain est toujours privé de Pierre Lesmilou, d'Atal et de Dante. Et ce sont les Aiglons qui vont se procurer une énorme occasion en début de rencontre avec Amine Gouiri, lui habituellement si prompt à conclure les occasions, ne cadre pas cette offrande tout proche du but de Baptiste Rennais. Encore les Niçois à l'offensive avec Baptiste Rennais qui va remporter ce duel face à Jeff Rennes-Adélaïde, l'ancien Lyonnais très remuant en ce début de rencontre. Il ne manquait plus que la finition pour récompenser sa belle percée. À la demi-heure de jeu, Rudy Buquet sort un carton jaune à l'endroit du capitaine du soir, Morgan Schneiderlin. Et Nîmes enfin va sortir de sa léthargie avec ce travail aux abords de la surface de réparation. On va de la droite vers la gauche et on arrive à enrouler et déclencher une frappe. L'œuvre d'Eliasson. Toujours pas de but pour le Suédois arrivé de Bristol City cet été. 0-0 à la pause. Nîmes vient de passer 3 matchs sans marquer. Nice également muet depuis 2 rencontres. Les Nîmois sont sur une série de 3 défaites consécutives et veulent vraiment prendre les 3 points qui leur échappent depuis de nombreuses semaines. Peut-être ce fait de jeu va les aider. Deuxième carton jaune pour Morgan Schneiderlin à la 57e minute. Les Niçois vont être en infériorité numérique sur la dernière demi-heure. Les changements opérés par Adrian Urcea avec notamment la sortie de Camara et l'entrée de Dan Ndoye. Et les Niçois, bien qu'étant à 10 contre 11, se procurent les meilleures occasions de cette deuxième mi-temps avec Baptiste Rennais qui doit se montrer vigilant et ensuite va avoir de la réussite sur cette tête qui va passer juste au-dessus de sa barre transversale. On poursuit la revue d'effectif, la sortie de Ronnie Lopez et l'entrée d'Alexis Claude Maurice. Jeff Rennes-Adélaïde toujours dans les bons coups. À destination de Gouiri, le ballon mal renvoyé par la défense nîmoise. Et c'est Dan Ndoye, le Suisse de 20 ans, qui marque son tout premier but en Ligue 1 Uber Eats. L'ancien de Lausanne, qui a marqué 11 fois lors des 2 dernières saisons, eh bien, marque pour la première fois dans le championnat français à 5 minutes de la fin. Eh bien, c'est Nice qui mène. C'est plutôt mérité hein, parce que les principales occasions ont été pour les Azuréens. Nouvelle percée avec cette déviation en une touche de Rennes-Adélaïde pour Alexis Claude-Maurice à la 93e minute. Première réalisation pour Claude-Maurice avec Nice. Et encore une fois, Jeff Rennes-Adélaïde à la baguette. On va en rester là. Nice en infériorité numérique réussit à marquer 2 fois et se relance pendant que Nîmes enchaîne un 5e revers consécutif aux Costières et occupe la 19e place.